Quand j'étais petite, je pensais pas que ça m'arriverait. Que je deviendrais l'un d'eux. Et puis mes pouvoirs sont apparus. Mes parents m'ont balancé. Ils savaient ce que le gouvernement faisait aux gens comme moi. Et ça les a pas arrêtés. J'étais complètement paumée. Et mon frère, Brent, a pris nos manteaux. Et on a filé. C'était dur de vivre dans la rue. De bouger de ville en ville, sans le moindre confort. Puis on a rencontré des dealers. Et on est tombé dedans. La dope. C'était le paradis. Mais on en voulait toujours plus. Le manque, c'était l'enfer. Il nous fallait un fixe à tout prix. Et quand tu perds ta cam, quand tu crois que quelqu'un te l'a volée, la cam, les dealers, ils te font faire de ces trucs. Le gouvernement m'a chopé en vitesse après ça. Mais c'était pas une prison normale. Ils m'ont appris à tirer, à tuer aussi. Alors le jour de l'accident, je me suis échappée en ayant appris plein de trucs. Tout ce qu'il me fallait pour régler ce bordel. Brent, je te jure. Tous les dealers que je croise finiront avec ton nom gravé sur la poitrine. Plus personne souffrira comme on a souffert. Non, grand frère. Plus personne. Delphine, ça va, frangin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as assuré, mon grand. Allez, debout, debout. Bien joué. Hey, t'as bien fait. Je connais l'endroit parfait pour la vermine dans son genre. Un endroit où elle sera à l'abri d'Augustine et où elle fera plus de mal à personne. Eh, non. Es-tu juste des dealers, c'est tout? C'est tout? Delphine, elle assassine des dealers. Mais tu crois que je fais quoi au type du DUP? Ce qu'il faut pour sauver les nôtres, les Akomish! Non, écoute, fous-lui la paix. Non, pas question. Écoute, c'est pas parce que vous avez le même problème, pas donc problème, que tu dois te sentir obligé de protéger toutes les pourritures qu'on croise. Hey, je t'abandonnerai jamais, t'entends? Jamais. Mais cette fille, il faut l'enfermer. Oh! Hey! Responsabilité. Ouais, sauf que t'as jamais été du genre responsable jusqu'à maintenant. Fais-moi confiance. Ok. Je suis là pour la tribu, pas pour coffrer des bioterroristes. Je suis une porteuse. Il est cool, enfin, d'habitude, c'est juste que... c'est pas son jour. Ouais. Allons discuter. Reg, désolé. Ah, regardez qui voilà. La réunion du club des porteurs est enfin terminée. Je voulais juste lui parler, ok? Histoire de voir si elle pouvait nous être utile. Ah, oh, tu vas pas me faire le coup de la grimace de Reggie, hein? Tu sais que je déteste. Écoute, tu sais que les gens comme ça devraient pas être laissés en liberté. Est-ce que t'oublies qui d'autre est comme ça? C'est pas pareil, t'es différent. Oui, je sais, je suis ton frère. Et ton frère te demande de lui donner un coup de main pour essayer de rester en vie. Et si tu veux pas le faire pour moi, eh ben au moins, fais-le pour la tribu. Ok, qu'est-ce qu'il te faut? Merci. J'ai besoin de voir les autres facettes de ce nouveau pouvoir. T'es moins aiguille les bons tuyaux pour trouver les relais de noyau. Là, c'est envoyé. Pour la tribu et pour toi. Merci, je te dis si j'ai un truc. Non, je veux pas savoir ce que tu chopes. Au revoir, Reggie la grimace.
Hey Fetch, t'as vu ces boîtes lumineuses que le DUP a plantées partout en ville? Ouais, je les ai vues. Je crois qu'ils s'en servent pour nous traquer. Eh ben, je crois que j'ai trouvé un moyen de m'en servir. Genre, les exploiter pour renforcer mes pouvoirs. J'allais le tenter sur l'énergie lumineuse que tu m'as filée. Je t'ai filé? Et je me suis dit que t'aimerais sans doute me suivre. Peut-être même me montrer les ficelles. Oh, j'ai déjà atteint ma limite de gros dealer pourri pour aujourd'hui. Alors pourquoi pas? Oh, t'es adorable. Va te faire. Ok, on est censé trouver un de ces trucs à l'angle de la seconde et de Main. Ouais, je l'avais repéré. On s'y rejoint.